Ah ben, les cuissons qui ont été faites tant à la bâtisse qu'à Saint-Amand, au CNIFOPS, et sont très intéressantes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'enthousiasme des jeunes potiers pour participer à ces cuissons, et puis voir un peu comment fonctionnaient ces espèces de monstres-là, un peu antédiluviens. Alors évidemment, il y a un enthousiasme et une grande curiosité aussi, parce que c'est quand même une technique de cuisson nettement différente de ce que la plupart pratiquent dans leur propre atelier, quoi. Où c'est soit des fours électriques, soit des fours à gaz, et évidemment, c'est quand même tout à fait autre chose, hein. Il connaît ça, hein, c'est un ancien potier. C'est Monsieur Gobier. Il a passé toute sa vie à faire des... Raymond, on t'attend pour mettre ta bourre. Hein. Ah ben oui, il est tellement dru qu'il ne veut pas tarder d'y aller. Nous sommes d'anciens potiers. Oui, ah, ben, oui. Je l'ai cuit en 1936, celui-là. Voilà, voilà. C'est pas hier, hein. Ça va pas. Non, c'est pas hier. Charles Blanc-Cueux. Alors, je donne un coup de main. Tous les vieux potiers C'est vrai, Raymond. Ça vous rappelle des vieux souvenirs, tout ça. Ben oui. Ça vous rappelle des vieux souvenirs. Ah, ben. C'est même pas l'ancienne génération, c'est presque une ère différente. Ah oui, ouais, c'est une ère préhistorique. Tout de suite, ce qui manque, c'est les mottes de paille. On se mettait assis. Ah, ben oui. Et puis que tout le monde y venait. Mmh. Hein? Ben oui, tout ça. On s'était assis, puis voilà, c'est les modes de base. Ben oui, ça c'est loin déjà. Tu vas approcher un peu pour les voir de plus près. Les coussins sont déjà blanches et puis ils n'ont encore pas pu les bourrer. Ils vont chauffer jusqu'au grand bois, jusqu'au bout. Ah bon? Ah ben j'en sais rien, je sais pas. Là, on a été vers le feu, ben vous savez ça. C'est vrai. Ça crie. Non, mais je lui ai rien dit, j'ai dit merci vous, hein, parce que... Et Raymond, comment ça s'appelait quand on tirait avec le... Pour voir si c'était du haut éteint. Les cornets. Les cornets, bravo. Les cornets. Et à la banque, c'est dit, ah oui. Ah ben, ça dépend de... Là, on ne voit plus rien parce que c'est... Et comme il y a la cheminée, on ne voit rien. Les regards, ils sont bouchés. Là, il y a une brique devant. Ah bon, tout est fermé? Oui, c'est fermé. Ça sort par la cheminée. Oui, comme il y a une cheminée, alors, c'est pas comme les anciens fours. Oui, oui. Comment allez-vous? Oh, oui. Ah, bonjour. Ah ben, bonjour. Ça va? Madame Moi, tu la connais? Oh, bah si. Si on connaît pas sa moitié cousine. Les potiers qui étaient venus de Carcassonne, de Béziers, du Lot, et qui faisaient des grandes pièces comme nous on faisait autrefois, mais c'était des garçons qui avaient appris ici. Ils avaient appris chez Capi ou chez Fernand Romotte. Puis après, ils étaient partis. 45 ans, 50 ans. Et ils ont fait plein de pièces. Et elles sont probablement dans le four pour le remplir. Puis pour être cuites. Mais ils travaillaient bien, aussi bien que nous. Hein. Ouais. Bah, le rouge, il bonjour, monte, ça va, monte bien. C'est bon. Hein. Il commence à... Ouais. Tu vois, François, là ça commence à faiblir. Ah oui, monte bien. Monte bien, hein. Ouais. Je sais pas si vous pouvez regarder les pigments. Vous m'en avez tellement parlé que je dois aller voir. Vous les voyez pas? C'est un peu haut. Si. S'habituer à la lumière. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, ça y est. Monsieur Solano, ne faites pas faire d'imprudence à ma femme. Ça y est. Ah non, mais... Ah oui, mais il m'a tellement parlé de... Qu'est-ce qu'on voit alors par les témoins, là? Les témoins. Ah oui, les témoins. On voit les montres, là, oui. Et le rouge qui monte. Vous voyez, et puis le rouge, il faut s'habituer, alors. Habituez-vous à la lumière. Oui, il faut s'habituer. C'est chaud, tout cher, chaud partout. Vous la voyez? Là, c'est vrai, je sais pas, c'est chaud. Des petits ronds, là. Ah non, oui, je les vois. Oui, je les vois. Vous voyez le rouge derrière? Oui, oui. On m'a dit qu'il y avait une... Alors, les fours couchés, bon, vous connaissez le... Le principe, le four couché, en fait, c'est une sorte de tunnel, de briques, en pente. Dans la partie basse, il y a le foyer. Les flammes traversent toute la fournée,
et elles sortent à l'autre extrémité, l'extrémité la plus haute, qu'on appelle le tétin. Voilà. Alors voilà le principe du four couché à axe de tirage oblique, en somme. C'est dommage, c'est un... le hangar, bon, ben, il va tomber un de ces jours. Je ne vais pas réparer ça, ça me fait beaucoup de peine. C'est des fours bon, qui, d'ici quelques années, on les connaîtra plus, ça sera abattu. Alors voyez-vous, la... le foyer, c'était ça. C'était là-dedans. Ça, c'est une plaque en fonte. Et on enfournait les fagots à la fin, là-dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelait l'urnard. C'était pour appuyer le bois, pour que ça fasse pas trop de braise, que ça, ça brûle bien. Qui était assez grand. Mon père, à la fin de sa vie, il ne pouvait plus enfourner. Il était fatigué, il l'avait ratissé, c'est-à-dire il avait remonté la sole du four de 50 cm. Mais à l'origine, c'était un four qui faisait, je crois, 170 mètres cubes. C'était le plus grand. Mais le plus gourmand en bois, il était assez difficile à cuire, il fallait bien le connaître. Les cuissons ont quand même dû évoluer à travers les siècles, parce que, bon, il y a une chose bien précise, c'est que dès qu'on a fait du grès en puisée, c'est-à-dire probablement dans le courant du XVIe siècle, ou peut-être même tout début du XVIe, voire fin XVe siècle peut-être, eh bien ce sont déjà des fours couchés. Hein, c'est le même type de four qui sert, si vous voulez, sous Henri IV et puis encore en 1930, même voire 1950 pour quelques fours encore. Hein. C'est le même type, mais constamment depuis le XVIe siècle, leur volume a augmenté. Alors il est évident qu'un four de 10 mètres cubes, 8 à 10 mètres cubes tels qu'on pouvait les avoir au XVIe siècle, se cuisait beaucoup plus vite que les derniers grands fours couchés qui ont été construits dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui faisaient jusqu'à 100 mètres cubes. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Oui, ça, c'est les murs du four. C'est des murs qui font 1,30 m d'épaisseur. Alors voilà le four. Ça c'est l'entrée du four. C'était cette entrée-là que je vous disais, vous voyez que c'était des grosses pièces. Que mon père était obligé d'enlever un côté à chaque coup pour enfourner la marchandise à Jeanneney. Et les dernières cuissons qu'il y a eu ici, mon père est mort en 1960. Moi j'ai continué. Qui restait à cuire. Les dernières cuissons, ça doit être en fin 60. Je crois que c'est le mois de novembre 60. Mon père est mort en avril. J'ai dû faire deux fournées après. Alors la cuisson dans les fours couchés, c'est terminé, disons, on peut dire qu'elle a perduré encore en quelques endroits jusqu'au début des années 50, quoi. Jusque dans les années 50. Hein, Cadet Gobier, Saint-Amand, a dû cuire peut-être encore en 1962, peut-être même. Le père Pourrin, au Cagnat-sur-Moutier, a cuit encore... a arrêté peut-être 10 ans avant ça, dans les années 50 et quelques, 52, je crois. Bon, ce sont les derniers, quoi.
Et c'est la cause du déclin, c'est quoi? Mais la cause du déclin, c'est comme toujours dans ces phénomènes économiques, c'est qu'il y a souvent plusieurs causes qui se conjuguent. Hein. On a eu la conjugaison, disons, le déclin commence en 1800, après la guerre de 1870. Et il est le fruit de plusieurs phénomènes. D'abord, une relative inadaptation de la production qui n'avait pas bougé depuis Henri IV, peut-on dire. C'était toujours les mêmes pots à lait, les mêmes barattes. Inadaptation aussi parce que les modes de vie commencent à évoluer. Alors ça, l'inadaptation par les modes de vie, ça va s'accentuer beaucoup après la guerre de 14, évidemment. On ne vit plus de la même façon dans les campagnes. On va faire de moins en moins de beurre, de moins en moins de fromage. Et évidemment, on n'aura plus besoin de tous les ustensiles qui étaient utiles pour le travail du lait. On aura aussi, dès la fin du 19e siècle, l'apparition des produits industriels, notamment de la faïence industrielle, qui est produite en grande quantité et à bon marché dans des fours chauffés à la houille, hors de la puisée, produits qui vont arriver d'autant plus facilement dans la région et concurrencer la production traditionnelle que les voies de communication se développent en même temps aussi, les chemins de fer, qui donc permettent d'importer d'autres productions. Et puis il y a aussi tous les ustensiles de fer blanc, les ustensiles de fonte, un peu plus tard les ustensiles d'aluminium, et puis évidemment après les matières plastiques, bien sûr. Mais enfin, tout ça va accentuer le déclin de la production traditionnelle. Hein. Donc, évolution, inadaptation de la production, évolution des modes de vie, développement des voies de communication, apparition des productions industrielles. Voilà, on peut en somme dresser comme ça le panorama et la conjonction de tous ces éléments qui vont causer le déclin de la poterie traditionnelle en puisée, quoi. Sans qu'elle disparaisse complètement jamais, en fait, puisque même encore actuellement à Saint-Amand, on fabrique encore des saloirs. C'est des pots qui restaient 5-6 fournées, ça servait de pare-feu. Vous voyez, c'est l'habitation des chauves-souris, ça, maintenant. Voilà. Et les pots que vous voyez là, bon, c'est des pots qui ont cuit déjà sûrement une bonne dizaine de fois. Quand vraiment ils étaient trop brûlés, on les enlevait, on en remettait d'autres. Mais le four, autrement, ça a été remonté, ça, le sol, ça a été remonté de 50 cm. Dans un four, on ne dit pas le sol, c'est la sol du four. Vous voyez le plafond, il n'y en a plus, il y a quelques stalactites. C'est les cendres du bois, avec le tirage qui se collait à la voûte. Et sur cette voûte chaude, elle fondait, elle tombait. Comme couleur, c'est vert bouteille. C'est les cendres et la silice des briques qui ont formé un espèce d'émail. Vous voyez, toutes ces, comme ça, dégoulinent. Alors, il y a quelques fentes, là, mais enfin, c'était pas grave. Hein, c'est un four qui pourrait faire. La voûte est bien encore formée. Peut-être 500 fournées. Ces fentes-là, bon, ben on les bouche un petit peu parce que ça traversait un peu pour éviter que la chaleur s'en aille de trop, mais tous les fours étaient comme ça. Cuisson là-dedans, on commençait par empiler les pots dans tout l'intérieur de la chambre. Alors, avec une certaine science, évidemment, la plupart du temps, on faisait appel à un spécialiste qui avait l'habitude d'empiler savamment les poteries, parce que c'est des piles, les poteries étaient empilées les unes sur les autres, dans des piles très serrées.
Et il y avait une... C'était tout un art parce que il convenait d'incliner les piles. D'une part, dans le sens longitudinal, on les inclinait à l'opposé du foyer. Et dans le sens transversal, la gauche s'inclinait vers la droite et la droite s'inclinait vers la gauche, de façon à ce que toutes les piles se contrebutent mutuellement. Et de façon à également à résister à l'attrait du feu, qui avait tendance à faire pencher les piles de peau vers lui. Et si on ne compensait pas suffisamment cette attirance-là, qui provenait en fait d'un phénomène de retrait de la matière des peaux, eh bien les poteries se cassaient la figure dans le foyer. Donc c'était tout un art, l'enfournement. C'était vraiment la partie délicate. Ben, vous savez, quand on avait besoin d'une cale, on prenait un morceau de terre, hein, qu'on roulait un petit peu dans le sable pour pas que ça colle après la poterie. Hein. Vous voyez tous ces pots-là. Ces saloirs que vous voyez là, c'était pas les plus grands, mais des comme ça, il y avait un couvercle. Eh bien, on en mettait trois l'un sur l'autre dans le four. Et puis on s'arrangeait. On commençait au milieu, un premier rang au milieu. Puis de chaque côté, on s'arrangeait le ventre pour le mettre dans le vide, dans le trou. Pour qu'en cas où ça se balance, que ça ne touche pas le ventre du saloir. Puis ça tenait moins de place. C'était encore... il fallait aussi en savoir enfourner. C'était assez difficile dans ces fours-là. Hein, si c'est mal enfourné, on pouvait perdre une cuisson complète. Vous savez, moi je connais un artisan, bon, il y a longtemps que ça, sur Moutier. Eh ben, il avait loupé une cuisson dans sa vie. Il s'est pendu. Alors, ça, un patron hein, qui avait de la casse dans un four, hein, vous savez, il se faisait du mauvais sang, hein, puis ça arrivait. Les cuissons complètement perdues, ça ne nous est pas arrivé chez nous, mais c'est arrivé. Le premier pot qui descend, les autres pas très d'aplomb, ça fait un trou, tout tombe. Là, c'est arrivé pour la dernière cuisson. Et on a dit que ça venait des briques qui n'étaient pas assez réfractaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est pas ça, monsieur. Et ça arrivait aussi quand on a fait le fourné avec... pas beaucoup, mais ça arrivait un peu à la fin du four, à la porte du four. Avec... chez monsieur Cagnard, avec Tchalenko. Ça vient que leur four, ils auraient dû le faire chauffer, brûler, avant de l'enfourner. Ils auraient dû brûler une vingtaine de stères de bois. Parce que vous savez, un four comme ça, le mien, là, la sole, c'est le terrain, il est humide. Sitôt que ça chauffe, ça remonte. Hein? Et je vois chez M. Cagnard, quand on a fait cette cuisson, je lui avais dit, hein, faites-le chauffer. Il l'a pourtant bien fait chauffer. Eh bien, à la fin de la cuisson, après la voûte, sur le toit du four, c'était une vraie machine à vapeur. Et pourtant, il avait chauffé. Alors, quand tout était bien empilé, comme ça, très serré, on bouchait la porte de chargement à l'extrémité haute qui était ménagée dans le tétain. On la bouchait comme il faut, avec soit des briques, soit des vieux pots, en laissant également des trous, qui étaient des carnots pour la sortie des flammes. Alors ensuite commençait donc ce qu'on appelait le petit feu, qui était un feu la plupart du temps de souche, un feu très doux, qu'on allumait, et qui allait brûler comme ça pendant 24 ou 36 heures à peu près, très doucement. Pour finir de sécher les peaux, puis commencer à réchauffer l'ensemble de la masse. Mais la réchauffer doucement, sans à-coups, sans choc thermique.
Alors d'ailleurs, les potiers achetaient dans les coupes de bois, achetaient des souches. On arrachait les souches dans les coupes. Alors ensuite, commençait la cuisson proprement dite, où on jetait dans le foyer du gros bois. Du gros bois, des branchages. Le bois, c'était du grand bois, c'était des bois d'abord de la moulée de, au début pour faire du petit feu. C'était du gros, gros bois qui faisait un mètre. On ne le mettait pas dessus, on le mettait en dessous. Et des fois, mon père, il allumait son four la veille de commencer pour commencer à réchauffer un petit peu avec du gros bois. Alors il mettait une charge de gros bois, des gros, gros bois, de la braise par-dessus et ça fumait toute la nuit. Là, on ne s'en occupait pas. Et puis après, on commençait le petit feu. Alors le petit feu, c'était des, du bois qu'il y avait, je me souviens pas, ça, c'est du bois qui devait faire, on appelait ça du grand bois. C'était du tout venant comme grosseur. Ça faisait peut-être 1,60 m de long. Alors on ne le mettait pas non plus sur le cintre. On le couchait le long du mur. Et ça, ça durait, du, le bois, des 70 terres, oh ben, il fallait 2 jours. D'abord un bois sec, et puis il faut savoir cuire son four, parce que c'est important. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut cuire un four la première fois. Il faut bien le connaître, et puis tous les fours couchés, ils sont pas pareils. D'ailleurs, même des autres fours. Et même un même four, il est différent d'un autre. Hein? Faut le connaître. C'était pas faute de surveiller, mais il n'y avait rien à faire. Tout un bout de bois, ça fumait noir, dégueulasse. Ça ne bougeait pas, quoi. T'as toute liberté avec ce truc-là. Mais faut savoir le maîtriser, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors là, j'ai fait un certain nombre de cuissons. Mais participer à des cuissons de four entier, moi, en tant que cuiseur, non, ça, c'était réservé aux petits du pays. Donc le four était communautaire autrefois? Non, pas vraiment. Le four est... Il y a un four par atelier. Le four appartient à une poterie. Alors, ce qu'il est arrivé quelquefois, c'est que des fours appartenaient à 2, voire 3 cousins, par exemple. Parce qu'ils étaient ou frères, parce qu'ils étaient co-héritiers de leur père ou d'un cousin. C'est arrivé, ça. Alors, dans ces cas-là, on avait effectivement un four qui servait à 2, voire 3 poteries. En fait, je ne sais pas si j'ai les exemples de 3, j'ai des exemples de 2 poteries, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un four communautaire, c'est-à-dire un four qui aurait servi dans un village ou un hameau, qui aurait servi à toutes les poteries du coin. Chaque fabrique a son four à cuire pot, comme on dit dans les actes. Un four à cuire pot, lorsqu'on voit par exemple dans les inventaires ou les cadastres, enfin les cadastres de l'époque, les terriers plus exactement, et bien où on fait un inventaire de chaque propriété, et bien on voit que chaque poterie a son four. C'est vraiment une structure familiale. Donc une cuisson dans une telle structure, une cuisson, c'est très important parce que, évidemment, c'est le travail de 3 tourneurs pendant environ un mois. Il y a 10 à 12 cuissons par an. Donc c'est le travail de 3 tourneurs pendant un mois. C'est une quantité de terre, c'est une quantité très importante de bois. Le bois, le combustible à l'époque dans une fournée représente au minimum 30% des investissements, hein, 35%, quelque chose comme ça.
Donc, si la fournée rate, c'est la catastrophe. Dans la plupart des cas, une fournée, par exemple, où l'enfournement était mal fait et où tout tombe dans le foyer, eh bien, le potier ne récupère rien. C'est-à-dire qu'il n'a rien à vendre, mais il a ses ouvriers à payer, il a sa terre à payer, il a son bois à payer, et la plupart du temps, il ne s'en sort pas. Hein, l'équilibre est si précaire dans ces petits ateliers que très souvent, c'est la faillite. Hein. C'est-à-dire que ça se résume au schéma suivant, c'est qu'il ne peut pas payer son bois. C'est souvent sa dette la plus importante. Avec les ouvriers, souvent, ils s'arrangent. Hein. Mais avec le marchand de bois, il n'y a pas moyen de s'arranger hein, la plupart du temps. Et le potier est obligé de céder sa poterie au marchand de bois. Ce qui fait qu'on voit, par exemple, on assiste au 19e siècle à un appauvrissement généralisé du monde potier. Et on voit de plus en plus de poteries passer dans les mains des marchands de bois. Alors, ensuite, il y a diverses formules d'exploitation à ce moment-là, mais le potier devient un employé dans sa propre poterie. Hein. C'est le schéma assez classique, ça. Donc, il y a un bail qui est fait donc, avec lui, et donc il devient un employé dans son propre, dans sa propre maison, en fait. Quoi. C'est assez dramatique, ça. C'est une situation qu'on trouve, d'ailleurs, très anciennement aussi, au XVIIe siècle, elle se voit aussi au XVIIIe, et elle semble s'accentuer au XIXe. Et, ma foi, c'est... Alors, il y a un mode d'exploitation assez curieux, d'ailleurs, c'est le métayage. C'est le métayage où on voit des poteries dans les mains de soit des marchands de bois, soit des bourgeois de Saint-Amand ou de Saint-Sauveur, par exemple, qui exploitent des poteries à moitié fruit, c'est-à-dire que la moitié de la production appartient au propriétaire. C'est exactement le même régime que des fermes, par exemple, exploitées longtemps, puisées en métayage aussi de la même façon. Alors, en général, c'est un mode d'exploitation qui est très dur pour le potier, parce que non seulement il doit évidemment la moitié de tout ce qu'il produit, c'est-à-dire la moitié des poteries, la moitié des cendres qui se vendent, la moitié des braises qui se vendent, mais il doit un loyer aussi pour le loyer des bâtiments, évidemment. Donc, c'est des conditions très dures. Il arrive difficilement à s'en sortir. La plupart du temps, il s'en va avec des dettes et on embauche un autre potier, quoi. Voilà. Un système. Bon, ce n'est pas le panorama d'ensemble, évidemment, il y a aussi des potiers qui sont propriétaires de leur atelier, certains même de plusieurs, certains aussi sont en même temps propriétaires terriens. Alors, ceux-là, en général, résistent mieux, se sentir beaucoup mieux. Hein. Ils peuvent se permettre éventuellement de rater une fournée, mais enfin, de toute façon, c'était quand même un coup très dur. Hein. Eh bien, le four, il était au propriétaire du château, à monsieur Jeannenet. Le four est toute l'usine. Et Jeannenet a loué cette poterie-là à mon père en 1900, je crois, tout de suite après la guerre, 1919-20. Et puis, donc mon père a travaillé chez lui. Il lui louait la poterie pour très peu de choses, à condition, parce que Jeannenet, il aimait beaucoup le grès. Il faisait fabriquer des grès, il les émaillait lui-même, et c'était surtout un modeleur. Il a fait des chimères, il a fait des animaux, il a fait toutes sortes de choses. Et c'était important. Alors, il avait loué ça à mon père, à condition qu'il lui enfourne toutes ses poteries chez lui. C'était tellement gros qu'il fallait démonter la porte du four et la remonter à chaque coup pour enfourner puis pour défourner. Et c'est pour ça que mon père avait un loyer très bas. Dans les poteries traditionnelles, en fait, il y a trois tourneurs. Hein.
Il y a trois tourneurs. En général, bon, ben, il y a le patron, et puis il y a deux ouvriers tourneurs, et puis un quatrième qui est le marcheux, hein, qui est chargé de piétiner l'argile pour la malaxer au pied, donc, pour la préparer pour chaque tourneur. Et les jours de cuisson, ben, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est sur le pont, et puis éventuellement, on fait appel à des aides. Et on fait des équipes. On fait des équipes de 3 ou 4 qui vont se relayer jour et nuit pendant 4 jours ou pendant 5 jours pour cuire. Voilà, c'est très simple. Hein. Alors souvent on s'assure le concours même des gamins du quartier. Ça peut être les gamins du maître potier ou des ouvriers qui viennent pour approcher les fagots par exemple. La femme pendant les cuissons, c'est d'apporter le café ou la boisson au chaud-fournier, quoi, hein, qui avait très chaud, qui était complètement cuit là devant la gueule du four et qu'il fallait évidemment abreuver, hein, il fallait pas oublier ça. Alors c'était le rôle de la femme, de la patronne, quoi, ou de ses filles. En dehors de ça, la femme du potier ou les filles du potier, en dehors des cuissons, eh bien elles étaient anseuses. Il ne faut pas oublier ça non plus, c'était quand même, elles avaient un rôle important dont on ne parle presque jamais d'ailleurs dans les documents. Ce n'est guère qu'à partir du 19e siècle, elles sont dénommées anseuses, par exemple dans les actes. En dehors de ça, au préalable, on n'en parle jamais. Ouais, on les donne sans profession ou autre. Alors que, en fait, ce sont elles systématiquement qui ansent tous les pots. D'où l'intérêt pour un jeune potier d'épouser la fille d'un potier, parce qu'il avait de cette façon une anseuse toute trouvée. Hein? Et puis évidemment, il y avait d'autres intérêts également. Mais enfin, c'est ce qui explique aussi la forte endogamie qui lie toutes les familles de potiers. Hein? Tous les potiers de Puisaye sont absolument cousins des tas de fois, parce qu'ils se mariaient évidemment entre eux. Est-ce que des femmes venaient assister aux cuissons autrefois? Non. Non, mais par contre, dans le voisinage, là, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais c'était surtout des hommes qui venaient parler, qui venaient raconter des histoires, qui venaient veiller un petit peu. C'était une petite fête. Hein? Et quand c'était des voisins d'à côté, que mon père les connaissait bien, bon, il leur donnait un coup de cidre, et puis on racontait des histoires souvent les mêmes. Hein? Mais les gens qui cuisaient s'ennuyaient moins, ils ne pensaient pas à leur fatigue. Puis ces gens-là s'en allaient vers minuit, 1h du matin, il n'y avait pas la télévision à ce moment-là. Hein? À quoi servait cette petite lucarne? Ça, c'était pour mettre... Les ouvriers mettaient leur bouteille à boire, ils mettaient leur casse-croûte. Qu'est-ce qu'on buvait normalement pendant la cuisson? Oh ben, vous savez, au début... souvent, on buvait du cidre. Du cidre, puis même de l'eau. Hein. L'alcool, c'était pas très indiqué, parce que tellement chaud, ça vous coupait les jambes. Mais enfin, c'est comme maintenant, il y avait des gens qui aimaient bien l'alcool, qui buvaient de l'alcool. Hein? Et qu'en pensaient les autres potiers Vous savez, le patron n'aimait pas beaucoup ça. Il nous est arrivé, quand on organisait une cuisson, on avait à peu près toujours les mêmes cuiseurs, des fois on en avait d'autres. Un cuiseur qui ne pouvait pas, bon, ben, il y en avait d'autres qui remplaçaient. Et il nous est arrivé plusieurs fois de voir des hommes ivres, qu'on pouvait rien faire. Alors mon père, un homme sur une équipe de 4, c'était important qu'il manquait. Bon, il mettait se reposer pendant 5-6 heures, puis après, bon, ben, on finissait de cuire, puis il lui passait un savon, lui disait, bon, ben, si ça recommence, c'est plus possible. Mais, enfin, les hommes qui buvaient, disons, du vin pendant la cuisson,
ils cassaient la croûte, ils mangeaient, ils s'enivraient pas pendant la cuisson. Ceux qui s'enivraient, c'était souvent avant de venir. Hein? C'était ça. Mais pendant la cuisson, mon père n'aurait pas admis. C'était pas possible. C'était les autres, ils étaient obligés de faire le travail pour celui qui était ivre. Il n'y avait pas moyen. Le cycle de cuisson, le rythme de cuisson des vrais vieux cuiseux qui à deux ou trois tournaient en permanence en allant jeter chacun leur fagot d'une manière parfaite à l'endroit qu'il fallait, un geste particulier du coude pour se protéger la figure de la chaleur après avoir jeté le fagot dans le feu, ça c'était tout à fait extraordinaire. Aussitôt que ça commençait à être bien rouge dans le foyer, c'est-à-dire certainement, on ne mesurait pas, mais certainement plus de 900 degrés, on commençait doucement à mettre des fagots. Parce que c'était rouge dans le foyer, mais le fond du four, je ne sais pas combien qu'il a de longueur, ça doit être une douzaine de mètres, il était rouge qu'une journée après. Il fallait que ça monte, la chaleur. Alors, petit à petit, on mettait des fagots tout doucement. Et puis, à ce moment-là, ben, c'était de la fumée qui sortait, de la fumée noire. Si on fume, ça a réduction, mais c'est pas bien, c'est toujours réduction. Oui, c'est la réduction. Alors, rien à faire, ça le sent, quoi. On le sent bien, même pas la peine de regarder la fumée. On voit bien que ça réduit, ça, c'est sûr. Ça. Là, on cuit la cheminée. C'est bon que les flammes arrivent jusqu'à là, mais quand ça sort comme ça, c'est trop. Pour moi, la meilleure allure pour monter, enfin, je ne dis pas pour réduire ou oxyder, c'est que les flammes arrivent jusqu'à la base de la cheminée. Ça, c'est la meilleure économie de combustible. Ils ont vachement chargé tout d'un coup. Il y a Jean-Marc qui... Il faut freiner, enfin, si tu veux, c'est... Ça se sent à ça, ils ont un peu fort chargé là. D'ailleurs, tu vois, regarde, on voit la flamme. La flamme maintenant, elle prend la direction de la cheminée en fait. Le pasteur, lui, il voudrait qu'il n'y ait pas trop de sang, pas trop de sel, etc. Ah, pas trop de sel, ça c'est sûr, pas trop de sel. Que la terre soit claire, il y en a d'autres qui aiment bien que ce soit brûlé, qu'il y ait des traces. Moi, je crois qu'ils sont tous d'accord pour avoir pas trop de sel. Hein. Oui. Parce que ça te fait de la toile cirée, c'est pas... Chocolat. Pas le quatrième jour. On était quatre pour cuire. On se partageait. On mettait chacun 2 heures environ. Et les fagots... Un fagot, c'était comme une allumette, on en mettait un à droite. Le cuiseur allait en chercher un autre, il en mettait un autre à gauche, un au milieu, et on recommençait tout le temps comme ça, sans s'arrêter. Et toutes les heures, ce bois, il faisait quand même de la braise, on était obligé. Je ne sais pas si le truc, il n'est plus là. On était obligé de tirer la braise et de l'éteindre. Et cette braise nous servait l'hiver pour chauffer les ateliers. Voilà. Le débraisage, c'est un moment important du... Ben, le débraisage, oui, c'est un moment important. C'était à peu près... parce que quand on débraisait, on éteignait la braise avec de l'eau. Donc, il y avait des baisses de température. Alors, on s'arrangeait pour extraire que des petites charges de braise
assez souvent, toutes les heures, au lieu d'en tirer beaucoup, toutes les heures, et pour ne pas refroidir trop le four. La cuisson qui a été faite par M. Tchalenko, là, bon, ben, il y a des garçons qui sont venus nous aider, qui n'avaient jamais cuit. Alors, je les ai vus outiller avec des tabliers d'amiante, des gants d'amiante, mais tout ça, on n'avait pas ça, vous savez. On avait des vieilles vestes, et il arrivait quelquefois que, quand on s'approchait trop près, au moment de tirer de la braise, c'était souvent le patron qui tirait la braise, qui prenait les mauvaises places. Ben, souvent, sa veste est commencée à fumer, à prendre feu. C'était très chaud. Alors vous savez, il y a des hommes qui ont eu beaucoup de peine ici. Mon père en est mort de ça. De fatigue, de silicose, parce que la braise, quand on l'éteignait, il fallait la remuer. Ça faisait une poussière qu'on respirait. Et ben, tous ces hommes-là, bon, ben, vous savez, c'était malsain de respirer cette poussière. De respirer du charbon ou de la silice ou de la farine. C'est pas très bon pour les poumons, hein. Et mon père, ça, bon, ben, puis, usé par le travail. La cuisson, c'est vivant. Hein? Et il vous parle pendant la cuisson? Oui. Et puis, vous savez, bon, ben, sitôt qu'il y a un petit inconvénient, un petit accident, un petit incident, on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le four? Alors, pour voir la fin de la cuisson, le tout début, chaque patron, puis même les ouvriers qui étaient habitués à cuire, enfin, c'était le patron qui décidait, l'arrêt, il se rendait compte de la température à la couleur de son four. Comment il était rouge. Ici, il fallait que ça soit d'un blanc éclatant. Là-haut, dans le fond, évidemment, c'était moins chaud. Là, il y avait 1350. Là-haut, quand on était en 100 à la porte, c'était tout, on ne pouvait pas cuire de plus. Pour voir la fin de la fournée, on a mis ce qu'on appelait des cornets. C'était des petits échantillons qu'on plaçait là-haut et qu'on sortait par un des créneaux que vous avez vus. Alors quand on voyait que c'était à peu près cuit, malgré que mon père reconnaissait la couleur de son four, hein, il se produisait des choses, il me disait, tu vois, avant de finir la cuisson, 5-6 heures avant, il y avait des espèces d'étincelles qui partaient des murs. On appelait ça des gendarmes. Et il me disait, tu vois, ça c'est des gendarmes, dans 4 heures, on sera bouché. Bouché, c'est-à-dire on aura fini. Et donc il y a eu ces cornets, c'était donc ces échantillons qu'on tirait au moment où on voyait c'était cuit. Des échantillons qui étaient émaillés pour voir si l'émail des pots qu'il y avait là-dedans était fondu. Puis après, il y a eu, à la fin, d'autres choses qui étaient plus sûres. C'était des montres fusibles qu'on sert encore. C'était des petites bornes en matière qui fondait à une certaine température, ils étaient numérotés. La montre 9, je crois que c'était 1280, et 8, 1260. On en mettait 3 ou 4,
Et quand elle commençait à tomber, c'est une petite borne comme ça. Quand elle commençait à tomber, on disait, tiens, attention, ça va être cuit. Et puis maintenant, bon ben, il y a donc ces bornes, puis il y a des pyromètres maintenant qui vous indiquent les températures. À la fin de la cuisson, j'oubliais de vous dire, les flammes sortaient ici à peu près un mètre. Hein, elles sortaient par la porte aussi, il n'y a pas de cheminée. Il y a certains fours qui ont été modifiés, ces fours couchés-là, et il y a des collègues qui ont mis des cheminées. C'était peut-être plus rentable, on usait moins de bois, on économisait les calories. Mais nous, là, ça sortait à pleine porte. Et à la fin de la cuisson, il fallait boucher toutes les ouvertures pour ne pas avoir trop de froid d'un seul coup. Il fallait que ça froidisse doucement. On fermait donc l'ouverture du bas, hermétique, et après, ces murs-là, ils étaient peut-être à 900 degrés, là, à la fin, ils étaient tout rouges. Les ouvriers avaient mouillé du sable et à la main, ils bouchaient ça avec la main, plein de sable. Ils mettaient une brique dedans comme ça, du sable, et bouchaient ça à la main. Et il fallait au moins, oh oui, on mettait 2 heures pour terminer complètement la cuisson et on laissait refroidir doucement pendant... Oh, nous, on refroidissait doucement, on refroidissait 8 jours. Puis on défournait après. Et on recommençait. Ah ben, la cuisson au bois, évidemment, elle a encore les faveurs de quelques potiers pour la beauté des hasards qu'il suscite, évidemment. Une cuisson au bois, c'est des taches de cendres, c'est des coups de flamme. Quand il s'agit d'une cuisson au bois à flamme directe, bien entendu, où la flamme traverse les pots et vient lécher la panse des poteries et donner des effets parfois superbes, d'autant plus superbes qu'ils n'ont pas été prévus, qu'ils n'ont pas été arrangés. Donc on avait sur les anciennes poteries, on avait des coups de flamme et surtout des taches de cendres magnifiques qui coulaient à la fin du grand feu. Donc ces cendres qui étaient véhiculées par les flammes et par le courant d'air à travers le four, et qui donc se plaquaient sur les poteries, sur la face tournée vers le foyer, et bien à la fin du grand feu, ça fondait, ça donnait des coulures, des marbrures, d'un très bel effet. Et puis il y avait aussi les gouttes qui tombaient de la voûte, toutes les matières vitrifiées accumulées par les cuissons successives sur les voûtes, goûtaient et donnaient des espèces d'étoiles bleutées sur les poteries, évidemment. C'est vrai que le four donne vraiment l'impression d'un être vivant en fonctionnement. D'ailleurs, pendant les cuissons, il y a une espèce d'aspiration là, de la gueule du four. Il y a une sorte de halètement, surtout à la fin, quand la température est très élevée. Il y a une aspiration très forte. On sent comme une respiration. Il y a une sorte de halètement. Et puis, notez que on dit la gueule du four. C'est la gueule du four, ça fait penser un peu à la gueule du monstre, quoi. Et cette gueule rougeoyante, là, évidemment, est impressionnante. Et puis, ça, avec ce bruit presque de respiration, là, qu'on entend.
C'est... Et puis toute cette masse vibre, gronde. On a un peu l'impression d'un, c'est vrai, d'un animal monstrueux là. La cuisson, c'est l'enfer. Des fois, vous savez, j'en ai fait beaucoup. Avec mon père, j'essayais de le soulager le plus possible. J'en rêve quelquefois la nuit. Et mes rêves, ça se passe toujours mal, la cuisson. Hein? Toujours, je vois des catastrophes dans la cuisson.